la ma mignonne. Retournez au jardin. Quand le maître sera levé, il viendra vous souhaiter le bonjour. Voilà! Personne pour m'annoncer? Oh, qu'est-ce que c'est que cette maison? Ça sent la basse-cour à planer. Oh, comment peut-on vivre dans une pareille tanière? Ah, voici quelqu'un. Bonjour! Votre maître ne s'appelle-t-il pas le seigneur Horace? Ce n'est pas mon maître. C'est mon parrain. Soit. Je veux savoir seulement si cette cabane n'est pas à lui. Ce n'est pas une cabane, c'est une métairie. Et il est bon de vous dire, monsieur, que mon maître n'a pas toujours été logé dans une cabane. Le seigneur Horace a été riche. Il a eu des palais à Florence. S'il ne lui reste plus rien, c'est qu'il a tout dépensé follement pour les beaux yeux d'une certaine comtesse Sylvie qu'il aimait et qui se moquait de lui. La comtesse Sylvie dont vous parlez mérite tous vos respects. Ah, c'est. Parlons du sujet qui m'amène. Je veux vous demander quelques renseignements sur une certaine colombe que possède, dit-on, le seigneur Horace. Est-il vrai que cet oiseau a des talents merveilleux? C'est la vérité, monsieur. Notre colombe a une intelligence qu'on ne rencontre pas toujours chez d'autres animaux. Elle comprend tout ce qu'on lui dit. Ajoutez une sensibilité exquise, une honnêteté de mœurs, comme on en voit peu, même chez les comtesses. Enfin, sachez, monsieur, qu'elle porte les billets doux sans se tromper d'adresse et qu'elle range dans leur ordre les 6 lettres qui composent le nom de Sylvie que son maître lui a donné. Est-il possible que le seigneur Horace ait appelé une bête du nom de la comtesse? Il est vrai qu'elle méritait mieux que cela. Vous dites? Je dis qu'une bête qui vous aime vaut mieux qu'une coquette qui vous ruine. Ne compromettons pas le succès de ma démarche par une colère imprudente. Je m'appelle Maître Jean et j'arrive au but de ma visite. Le comte, mon maître, qui est grand amateur de bêtes savantes, ayant entendu parler de la colombe du seigneur Horace, m'a dépêché vers lui avec mission de
de la lui acheter. Il n'y a à cela qu'une petite difficulté. C'est que mon parrain ne consentira jamais à la vendre. Il n'est pas croyable que, dans le dénuement où il est, il résiste à une grosse somme. Oh, votre maître est donc bien riche. Assez riche pour changer cette métairie en une charmante villa où le seigneur Horace aura tout le temps d'élever d'autres colombes. Ma foi, votre proposition n'a rien de malhonnête. Et je commence à vous croire. Mademoiselle ! Qui vient là ? C'est lui ! Cachez-vous et laissez-moi faire. Je vais essayer de le décider à conclure le marché. Mazé, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ce matin? Pour vous laisser dormir. Et pourquoi me laisser dormir? Pour donner à la fortune l'occasion de vous rendre visite. Laissons la fortune en repos et déjeunons. Avec quoi? Aucun gibier ne s'est-il pris d'intérêt? Aucun. En ce cas, il faudra nous contenter de quelques fruits de notre verger. Vous êtes philosophe. Avouez pourtant qu'un peu d'aisance ne gâterait pas nos affaires. Mon maître, dites un mot, et je connais une fille qui changera d'un coup de baguette cette cabane en château. Explique-toi. Un riche seigneur nous fait l'offre d'acheter votre colombe à Beauduc à Contant. Et vous pourrez lui vendre l'oiseau au prix que vous voudrez. Son messager, maître Jean, sort d'ici. Et si vous voulez que je le rappelle... Qu'il aille au diable! Je n'ai que faire de son argent. S'il ose paraître devant moi, je lui ôterai l'envie de revenir. Vendre ma colombe, jamais! Il garde son argent d'une chère habitude. Je ne priverai pas mes jours, je ne briserai pas ses paisibles amours. Ce charme de ma solitude. Seigneur, tais-toi. Que m'importe l'indigence? Non, je ne la vendrai pas. Thank you.
soit de ces deux fous. Seigneur, écoutez un moment la raison. Plus un mot. Vendre ma colombe, je vais dire à Sylvie la belle idée que tu as eue. Eh bien. Vous voyez, il est inébranlable. Vas-y. Oh, me voilà. Si j'ai bien compris, le cœur du seigneur Horace brûle encore pour les beaux yeux de ma maîtresse. Ah, merveille! Il ne tiendra qu'à nous d'avoir sa colombe sans bourse déliée.
d'abord, seul l'amour ordinaire. Quand il s'agit de plaire, quand il s'agit de plaire, les amoureux ont le cœur généreux. Les amoureux, quand il s'agit de plaire, ont le cœur généreux. Les amoureux, quand il s'agit de plaire, ont le cœur généreux. Ont le cœur généreux. Comtesse, et informons-la du résultat de mon ambassade. Eh bien, maître Jean ? Hélas, madame, le seigneur Horace ne veut pas entendre parler de vendre sa colombe. Comment ? Il refuse ? Un jeune paysan, son filleul, qui lui sert de valet, lui a transmis les propositions, et elles ont été repoussées. Interrogé sur le motif de ses refus, le seigneur Horace n'a pas dissimulé qu'un baiser donné par madame la comtesse à sa colombe la lui avait rendue préférable à tous les trésors de la terre. Je dois ajouter qu'il a donné à cet oiseau le nom de madame la comtesse. J'en ai conclu que le seigneur Horace ne refuserait pas à madame la comtesse ce qu'il refuse à un étranger. Perdez-vous la tête ? Le seigneur Horace est la dernière personne dont je puisse accepter un présent. J'aurais été heureuse en lui achetant sa colombe de réparer un désastre dont j'étais la cause involontaire. Je suis désespérée. Le triomphe d'Amat fait le tourment de ma vie et son perroquet me fera mourir de chagrin. C'est entre Amat et moi une lutte. Je n'ai pas eu un adorateur qu'elle n'ait voulu me l'enlever, pas un bijou, pas un palais qu'elle ne me les ait disputés. Jusqu'ici, j'avais écrasé ma rivale et je voyais déjà le moment où elle allait échapper par la fuite à une honteuse défaite quand elle a trouvé ce maudit perroquet qui parle, qui chante, qui étourdit tout Florence du bruit de son caquet et à qui je ne pouvais opposer que cette colombe qu'on ne veut pas me vendre. Il est vrai que la colombe n'aurait pas eu de peine à l'emporter sur le perroquet. Il n'est merveille que ce jeune paysan ne m'en ait conté. Vraiment ? Et vous croyez, vous, que le seigneur Horace m'aime encore ? J'oserais le jurer. Maître Jean ! Il faut que cette colombe soit à moi ! Cherchez ce jeune homme et envoyez-le-moi. Dites-lui qu'une dame l'attend ici. Thank you.
petite amie. Me voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien... Je dois vous dire, madame, que nous ne recevons jamais personne. Oh. Et que les femmes n'entrent pas ici. Mon emploi est de monter la garde autour de la maison. Pendant que mon maître fait la chasse, j'ai plaisir à mettre en fuite tous ces oiseaux d'une autre espèce qu'on nomme femmes et que je déteste. Et pourquoi les détestes-tu, petit sauvageon? C'est d'instinct. S'aventurer par ici. Pourquoi? Parce que mon maître est capable de l'aimer encore? De lui faire honte de sa conduite, de l'injurier, de la chasser, de la battre de ses propres mains. Ah, je ne suis pas en sûreté ici. Hein? Alors je me sauve. Adieu. Mais comment? Vous êtes donc... C'est moi qui suis cette coquette, cette folle, cette méchante. Mazette! Oh! Sauvez-vous bien vite. Cachez-vous. Oh, il est perdu s'il la revoit. Ma foi, tant pis. Je brave sa colère. Je n'ai jamais été battue de ma vie. Que vois-je? Vous ici, madame? Chez moi? Je vous en prie, madame, en détresse, qu'en accueillant digne
Madame, et je n'ose croire à tant de bonheur. Il sera temps de lui parler de la colombe quand nous serons à table. Madame ! Qui nous vient là ? Ah, Maître Jean, vous ici ! Maître Jean, comment osez-vous revenir chez moi ? Qu'est-ce donc ? Auriez-vous à vous plaindre de lui ? Sachez, madame, que ce matin même... Vous me conterez cela tout à l'heure. Quant à Maître Jean, je vous le donne pour le plus habile homme du monde en matière de cuisine. Il ne pouvait donc venir plus à propos ? Et si vous le permettez, il aidera ce jeune homme à faire les préparatifs du repas pendant que nous ferons le tour de votre jardin en causant du passé. Le maître et le logis sont à vos ordres, madame. J'aurai ma colombe. Pour douce joie, pour douce joie, Dieu permet que je revoie c'est très charmant. Elle criève, n'apportez-moi sur ton aile, c'est mon nom. Comme la croix, comme la croix, où tout est près de ton âme et tout est mort. Madame, silence, songez, tais-toi.
ces coquettes! Maudissez-les! Haïssez-les! Jurez de ne jamais les revoir! Il suffit d'un regard, d'un sourire pour envoyer tous les serments au diable et vous reprendre de plus belle dans leur filet! Seigneur Horace me paraît fort à court d'argent, et les dîners, quoi qu'on en dise, ne se font pas sans dépenser d'argent. Pendant tout un mois.
soit tablier, marmiton, maître queue, aides et sommeliers. À tous les étages, par les escaliers, descendaient et montaient les dames au cellier, portant sur des plats informes, soutenus à quatre bras, des morceaux de viande énorme. Pour les entrées, pour les rôtis, pour les entremets, pour le dessert. Que penseriez-vous de faisan? Pour rôti? Oui. Ah, plumez, videz, piquez fin et faites cuire à la branche. Donnez-moi votre faisan, je m'en charge. Ah, voilà, c'est que nous n'avons pas de faisan. Vous plaisantez? Et que diable avez-vous donc alors? Voulez-vous des fèves? Des fèves? Enfin, s'il faut des fèves, mettez du beurre, un bouquet de persil, ciboule, un œuf, une pincée de farine... Oh, votre manière d'accommoder les fèves peut être excellente, mais ce n'est pas la mienne. Moi, je les fais cuire dans l'eau et j'y mets du sel. Et vous espérez que j'autoriserai de pareilles monstruosités? C'est bien. Je me retire sous un arbre, et si Madame la Comtesse me demande l'explication, je ne lui cacherai pas que j'ai cru devoir protester par la fuite contre le dîner qu'on lui préparait. Des fèves! Oh, au diable! Ces grandes dames ne sont pas faciles à contenter. Eh bien, je profite d'un moment où la Comtesse s'amuse à cueillir des fleurs pour m'échapper. Où en es-tu? Comment? Tu n'as rien préparé? Et quoi préparer? Allons, je vois bien qu'il faut que je m'en mêle. Tu ne t'en sortiras pas sans moi. Il faut d'abord dresser la table. Elle boit un peu. À la droite, sache la mettre au bon endroit. Pense que nous avons du linge présentable. Où diable est-il? Dans le buffet. Je ne vois qu'une nappe à moitié déchirée. Donne. La voilà réparée. En effet, c'est parfait. C'est parfait. La graisse est parfois laissée.
Tu te trompais.
promptement. Et que reste-t-il donc? Sylvie! Sylvie! Et pensez-vous que j'ai monté la vie à votre colombe? Il faut obéir, il faut obéir, 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 et ne souffle mot. Pour recevoir ma belle, il n'est rien de trop bon. Thank you.
madame, pour vous dire que je renonce à faire dîner ici madame la comtesse. Pourquoi ? Madame la comtesse ne devinera jamais ce qu'on ose m'offrir. Non. Quoi donc ? Des fèves. Et que m'importe ? Accommodez avec du sel, madame. Je ne vois pas ce qu'il y a là de si terrible. Allons, allons, rassurez-vous, maître Jean, et ne vous désolez pas pour si peu. Comment n'avez-vous pas compris que j'affronterai gaiement le plus mauvais dîner du monde pour avoir ma colombe ? Dieu veuille seulement que notre aventure n'arrive pas aux oreilles de madame Amat. Amat ? Vous avez raison. Je ne veux pas lui donner sujet de rire de nous. Oh, madame la comtesse ! Eh bien, seigneur Horace, est-ce ainsi que vous m'abandonnez ? Ah, excusez-moi, madame. Quelques ordres indispensables. Vous le voyez ? J'ai dévasté votre jardin. Vous ne trouvez pas mon bouquet charmant ? Oh, par le goût avec lequel il est fait, oui, madame. Non par les fleurs qui le composent. Vous êtes un flatteur, seigneur Horace. Et vous calomniez votre jardin pour me faire un compliment. Savez-vous que je ne reçois plus de fleurs depuis que vous avez quitté Florence ? Il faut donc qu'une calamité ait frappé les esprits ou les yeux. Vaguement. Comment la trouvez-vous ? Je ne l'ai jamais regardée. Saviez-vous qu'elle eut un perroquet ? Un perroquet ? Non, madame. Une affreuse bête qui dit des impertinences dans toutes les langues. Ce perroquet a fait de ta maîtresse la reine de Florence. Et si je ne trouve un phénix pour la combattre avec ses propres armes, je dois renoncer à la lutte et lui céder le pas. Pauvre Sylvie. Pauvre Sylvie ? Vous dites ? Veuillez me pardonner, madame. Il me semblait entendre... Quoi donc ? Les cris d'un oiseau. Et cela vous fait pâlir ? C'est une faiblesse dont je ne puis me défendre. Et certains cris me frappent malgré moi d'une terreur superstitieuse. Mais puisque mon pauvre repas s'est fait encore attendre, ne me direz-vous pas enfin quel est l'objet de votre visite et quel service vous attendez de moi ? Eh bien ? Mais non.
sa place servir mon père. Mais le ciel me fait voir qu'il ne sera jamais en mon pouvoir. Ne méritez-vous aucune grâce. Oh, no.